sortir son téléphone et commencer à filmer, rire fort, ignorer et poursuivre. Je vais l'aider. Comme ça va faire « Oh mon Dieu, mais quel homme! Poussez-vous, je suis médecin !» Yo tout le monde, c'est Killer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mes amis, nous nous retrouvons. Non, mais ça devient n'importe quoi. Je pars une semaine en vacances, je retourne sur Steam. Et là, mais il pleut des jeux et des jeux et des jeux. Mais limite, les jeux étaient là, ils disaient « On t'attendait. » On t'attendait, mon petit Michel, moi j'attendais. Donc là, on se retrouve sur un jeu, Super Séducteur 2. Alors, je ne sais pas de quoi le 1 parler, mais tout est dit dans le titre. On est sur un jeu de séduction. Alors, et vous savez à quel point ce type de jeu, c'est des pépites. Hein. On est sur des pépites. Alors, on va cliquer. Alors, je ne sais pas comment ça va démarrer. Je ne sais pas si ça part direct ou quoi. Alors, je ne sais pas sur quoi on part, les amis. Mais on part sur quelque chose, c'est sûr. C'est vrai que la réaction, pas du tout abusée des gens. C'est très bien joué, hein. Allez, Yonk. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est bien joué. Le jeu d'acteur est incroyable. Le jeu d'acteur est incroyable. Faut qu'on en reparle. Ah, la gueule du mec, genre... Je veux bien me la faire, celle-là. C'est un petit côté romantique. Ah, je ne savais pas. Je savais pas que t'incruster comme ça et faire chier les gens, c'était romantique. Écoute. Attention, ça parle, ça discute, ça papote. Oh là, putain, il y a la serveuse. Ok. Attention. Il n'y a rien de bien sur ce menu, retournons chez moi. Donc là, c'est clairement une technique de beauf. Hein. La meuf, à la base, on rappelle qu'elle était là pour prendre son petit-déj. Et toi, déjà, tu vas lui casser les noix et tu t'incrustes à sa table. Et en plus de ça, t'as les coronesses de lui dire « Il n'y a rien de bon, allez, on se cache chez moi. » Non, ça c'est pourri. Commander un thé, une part de gâteau et quelque chose pour elle. Lui demander de ne pas te déranger au beau milieu d'une conversation importante. Dire « Hey bébé, comme d'habitude, s'il te plaît. » Commander un thé, une part de gâteau, un shot... Pour l'assurance et quelque chose pour elle, je prendrai une part de gâteau et la jeune fille prendra ma bite. Je m'y attendais pas du tout. Je veux dire commander un thé, une part de gâteau et quelque chose pour elle. Parce que je pense que la réponse F, je pense qu'elle peut... Vous savez le plateau de fruits là? Je pense qu'il y a possibilité qu'elle me l'envoie dans la gueule. Je pense, hein, c'est qu'un avis personnel. Hein. Quelle journée magnifique, j'adore ta tenue. C'est très estival, mais aussi très original. Très original. T'as un style bien à toi, ce qui veut dire c'est moche. Hein. Hey, tu la reconnais? Voiture, mais oui. Je crois... Qui est-ce? Je crois que c'est un top modèle russe, c'est très... What? Non, non, non. Faut rester avec la... Approcher la fille dans la voiture, continuer de parler à la fille dans le café. On continue de parler à la fille dans le café, on va pas faire le salaud. On va pas faire le salaud. Oui, le mannequin, mais je suis d'acteur... Ok. Ok, la meuf, elle s'est barrée. Waouh. On est tellement sur la même longueur d'onde, c'est incroyable. Tu viens comme ça à ma table, tu me parles de choses qui me... Voilà, il y a une vieille... Qu'est-ce qu'elle a, la vieille, là? Oh merde! Ah! Il faut l'aider, la vieille. Il faut l'aider. Il faut faire le médecin. J'espère ne jamais vieillir à ce point. Je veux mourir jeune avec toi. Aider la mamie à se lever, sortir son téléphone et commencer à filmer, rire fort, ignorer et poursuivre. Je vais l'aider. Comme ça va faire « Oh mon Dieu! Mais quel homme! Poussez-vous, je suis médecin !» Rien de... Vous allez bien, aidez-moi. Ah, c'est juste casser la gueule? Elle se fout de ma gueule. Mon pied était... Il était quoi, son pied? C'est peut-être la chaleur. Oh là 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 là. J'imagine que ce n'est pas une crise cardiaque, au moins. Non, ce n'est pas une crise cardiaque. Et elle a juste eu un coup de chaud, comme disait ma grand-mère. Oui, il y a un coup de chaud. Exactement, ça n'a pas l'air d'être grave. Payer, car tu es gentleman. Aller aux toilettes pour que ce soit elle qui paye. Lui demander de payer et dire que tu paieras la prochaine fois. Ok, je vais payer pour être gentleman. Il faut gagner des points, il faut gagner des points. Peut passer, c'est très bien. Donc on fera ça maintenant à chaque fois. Comme ça, on pourra regarder direct. Ok. Il nous a filé le numéro. C'est bon, on passe. Rien à faire de ça. Résultat super séducteur. Et on a fait que des bons choix. Prochain niveau, explorer 15%. Rien à foutre. Comment va ton entreprise? Elle va très bien. En ce moment, on fait du design de produits, de mobilier. C'est très très intéressant. J'ai l'impression qu'elle fait pas que du design de mobilier, mais bon, on verra. Bon, pour des cours de yoga, offrir un jeu sur Steam, raton laveur. Oh bah, des cours de yoga. Oh, je pense qu'elle va faire la gueule.
I say yoga vouch. It's a yoga voucher. It's a yoga voucher. Oh, yoga. But if it was a voucher. It's a yoga voucher. Okay, yoga is better. Yeah. You love it. Wow. You to try. Yeah. Yes. Mm-hmm. And this is okay. Il y a des pics. Everyone wants to train with. And this is 3 90-minute one-on-one sessions. Des séances privées de 90 minutes et boum. Alors attention. Lui veut pécho, lui. Lui veut pécho, ça abusé. Regarde quand il se regarde, ça se voit. Mais ça se voit, Michel. Attendez, je passe. Ça se voit à 10 km. Regardez l'air con. C'est génial, tu sais. Je suis ravie qu'on puisse rester amis après avoir. Tu sais. What? When we had sex. Yeah. Ah, tu te souviens, on était chez moi. On avait bu quelques verres et tu venais de rompre. Le mec, il lui rappelle bien la merde. Il y a un blanc qui se crée là. C'est joué avec la secrétaire, ça, non? C'est quoi ce bordel? Sarah, could you come in, please? La première tâche de ta nouvelle secrétaire sera lui demander d'amener ton linge salopressing, trouve un moyen de mater son cul furtivement, lui montrer comment bien agrafer de façon sexy, lui dire que tu n'arrives pas à te concentrer parce que tu ne penses qu'aller lui dire bonjour, lui demander de faxer des contrats et de décaler un rendez-vous. Oh, qu'on va faire ça. J'en imprimais des contrats. Alors, si tu pouvais les rassembler, je les signerais rapidement. Je crois aussi que j'ai un rendez-vous avec Ben Adams aujourd'hui. C'est à 3h, mais il faudra que tu le repousses de 30 minutes si possible. Oh, la meuf, elle est stoïque. Hein. Elle est là. Oui. Ah, ok. Faut l'inviter. C'est bon. On a une porte. Ok. Yeah, of course. Thank you for the opportunity. Anytime. Okay, great. Comment te comporter à l'événement de mise en réseau? Te bourrer la gueule, flirter discrètement, la jouer cool sur place. On peut flirter discrètement. So, you went. Alors, t'es allé à l'événement? Yes. Oula. Did oh, je sens mal. S'est passé quelque chose? No, it was fine. Non, ça allait. He was kind of flirting, il flirtait un peu. Mais c'est parce qu'il avait bu. Oh non, ça craint. Je voulais juste te dire quelque chose. Elle va se barrer. J'aime vraiment quand tu es détendu parce que tu avais l'air sous pression. Professionnel déplacé, plus informel. Professionnel. Faut être pro. Hein. Pro. We need to make the money. You know, make business good, increase the drug, I mean, you know, sell lots of pharmaceuticals. Oh, merde. Le mec, il se gagne pas du tout. So, yeah, don't pay attention. Je sens qu'on va rater une opportunité. Hein. It's not really relevant, is it? We'll just do our work. What? Sarah, tu sais quoi? Lui dire qu'il est temps d'ajouter des responsabilités à son travail. Oh, l'inviter à un rendez-vous de manière décontractée. Ok, on va l'inviter à un rendez-vous. Oh, je sens mal. Super beau, je pense. Ok, on va passer. Allez, faut pas qu'elle nous dise non. Ok, on a des bons rapports professionnels. J'espère que tu ne te vexeras pas. Mais je trouve aussi qu'on a aussi des bons... Ok. Ah, c'est bon, il est d'accord. Ok, elle est d'accord. C'est bon, on y va en co. Ça reste entre nous. So, how's it going, alors, Mr. Larina? I really expected you guys to get it on. No, it's just professional. Oh. Eh non, tu vas voir. Ok. Non, elle mytho, elle dit que c'est pro, mais elle sait très bien qu'il n'y a pas que du pro. Hein. Bon, du coup, les amis, on va s'arrêter là sur Super Séducteur 2. Je ne sais pas s'il y a moyen de pécho ou quoi que ce soit. Mais là, quand je vois... Merde, pas là. Hop, quand je vois le mode histoire, on a quand même 15%, 26%. C'est quoi 26%? Je comprends pas. But sort avec ta secrétaire. Ah, c'est qu'on a raté notre but. Hein. Je peux entendre que ça vous aura plu. On va essayer d'accéder et de débloquer les buts pour la prochaine partie. Il faut que j'essaye. Il n'y a pas le choix, il faut qu'on y arrive, les amis. Il faut qu'on y arrive. Donc, attends, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésite pas, mon petit Michel, à t'abonner aux réseaux sociaux qui est juste en dessous. Tu cliques comme d'habitude à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. C'est toujours pas fait. En attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.